avance vers lui, à tout petit à petit. Et à la fin, faut pas vraiment que tu sois collé vers lui parce que tu peux faire en sorte que ton canon clip, comme il s'appelle. Ton canon peut clipper son corps et en gros, bah tu le touches pas en fait. Et du coup, bah, il monte, il saute. Et du coup, moi, ce que je fais, c'est qu'à un moment, dès que je les spam et que j'avance, je reste près de lui, mais pas trop, et je spam les flèches du haut avec les X, et ça passe. J'ai une question. Est-ce que c'est juste normal que mon temps RPA est un temps IGT? J'ai pas de temps. Quoi? J'ai pas. En fait, là, j'ai pas de temps. Là, j'ai pas de temps RPA. J'ai deux. Mes deux temps, c'est de l'IGT. Ouais, tu veux savoir pourquoi? T'as fait comparer Gens IGT, c'est ça? Ouais, c'est oui. Ça. Bah oui, ce que tu m'as dit de faire. Il faut. Oui, mais il faut que tu rajoutes un truc. Il faut que tu ailles dans Edit Layout, dans Layout Settings, et que sur ton timer RTA, tu le mettes sur Real Time et pas sur Current Timing Method. Sinon, ça va pas être deux IGT. Ouais, parce que moi je. What the fuck, qu'est-ce qui s'est passé? MDR, j'ai mépris le ressort comme ça, tu vois le ressort là, pour le premier checkpoint, avant le premier checkpoint dans Emerald Coast, en gros, avant le skip looping là, pour aller au pont. Et ben, j'ai pris la plateforme là pour m'envoyer vers le checkpoint, il y a Sony qui s'est mis à genre à taper la plateforme alors que j'ai rien fait. Ah oui, à faire E! Ouais, voilà, c'est ça. Oui, c'est parce que t'as appuyé sur X au moment où t'as pris le. Ah bon? B ou X. T'as pris la pique. Oui. Oh putain, je me suis même pas rendu compte de le faire. Quand t'appuies sur B ou X, ça a la frame, une certaine frame. Quand tu prends le tapis, en fait, Sonic va se cogner et ça va te faire accélérer. Ouais, exactement. Je sais, mais j'ai l'impression que je l'ai pas fait. Après, je l'ai peut-être fait, je l'ai peut-être appuyé sans faire exprès quand je voulais faire un spin dash. Sûrement. C'est cool, putain, en fait, ça fait gagner 3 en instant. Faut vraiment que je m'entraîne sur ça. Oui, parce qu'en fait, là, je run du All Upgrade. Mais je sais que je vais. Roger. Mais je vais. Mais bon, quand je parle avec des gens, je suis plutôt calme. Au lieu de Grace, ça va, hein, pas spammer en vrai. Ouais, enfin, j'aimerais bien laisser Quaker aussi s'amuser à avoir un bon temps dessus. Je vais pas dire, c'est pas une question de dire que je le batte, mais je pense que faire concurrence avec lui, ça pourrait l'agacer. Ah, ça pourrait être marrant. Mais en vrai, sinon, mec, c'est que. Est-ce que tu sais faire. Est-ce que tu sais glitcher la porte là dans Rainbow Mountain? Comme ce que c'est les mecs. La porte. Non, mais il a pas encore testé les glitches. Ah, ouais, ben tu vas galérer quand tu vas vouloir passer ça. Mais vous savez, les gars, il y a plein de catégories vides. Hein. Vous savez, tous les pourcents sont vides. Hein. Sonic pourcent, ouais, mais ça m'intéresse pas, moi. Et Midi Gamma pourcent, c'est vide. Ouais, mais moi, j'aime pas. J'aime pas du tout comme pourcent, c'est nul. Enfin, non, Knuckles pourcent est pas vide. C'est le seul où on est 3 dessus. Comment. Ah, attends, putain, faudrait vraiment que je regarde comment on passe le barrage en un coup. Hein, parce que moi, c'est un peu aléatoire. La vraie emblème est intéressante, moi, elle m'intéresse. La vraie emblème, je l'ai faite. La vraie emblème, elle a 125. Aussi. La vraie emblème, elle est super cool, mais faut gérer le casino avec Sonic. What the fuck, Flandre a fait 4h22 dans ça. Comment ça s'appelle? Ça, 125 emblèmes. Ciao pour cent, ça doit être tellement de la merde. C'était fan des ciao, c'est pour toi. Donc moi, ouais. Mais moi j'ai pas la patience, j'ai pas trop envie en fait. Je veux. C'est Edmar. Yes. Sauf que Edmar, je le défonce. MDR. N'empêche, t'as pas de truc intéressant. T'as pas posté ta run où tu l'as déglingué d'ailleurs sur. C'est normal, ça m'a même fait supprimer. Quoi? Par Twitch. Parce que je l'ai pas mis en temps fort. Ah, il fallait le faire. Parce que Edmar, là, il se frotte les mains, mec. Ou sinon, t'as un petit compte YouTube. Mais comme il met pas ses vidéos sur YouTube et qu'il poste ton Twitch, comme Refrag d'ailleurs. Ce que je déteste, désolé. Oui, le lecteur Twitch, c'est cancer, très clairement. Je suis en train de réfléchir, Sora. Gamma pourcent, il faudra que je trouve des glitches intéressants sur la gamma pourcent. Bah, y'en a. Lequel, par exemple? Alors, Yacht Shelter. Génial. Mais tu voulais un glitch à part, c'est ça, un truc unique à la run? En free, en fait, je préfère. Ouais. Je crois pas qu'il y en ait, hein. Ouais. Par contre, dans les règles de catégorie extension, il y a toujours écrit que 6F est autorisé. Hein. Sérieusement? Bah oui, dans catégorie extension, il y a écrit 6F est toujours autorisé. Ouais, mais faudrait voir s'ils veulent pas se mettre à changer le truc, parce que. Mais je pense qu'ils vont sûrement le changer, parce que Flandre, cette nouvelle run, elle a pas 6F. Non, elles vont pas le changer, parce que dès GN, on leur run qui passe. Ouais, y a pas de GT non plus, ils n'ont pas acheté du GT, hein. Toujours pas. Ouais. Je sais pas, mais je pense surtout qu'à catégorie extension, ils font pas attention. C'est 60...
C'est 63 FPS et en plus c'est ouais. avec CCF. Oui, mais la run de Flandre elle est fait légitime comme elle est, même moi je veux ouais, dire. Oui, la run de Flandre entre guillemets, mais la run de Vemblème, tu fais comment? Non, la run de Vemblème c'est trop tard, c'est fait avec Windows 7, c'est fait avec les mods CCF et tout le bordel, hein. Y a tout dessus. Bah dans ce cas-là, ouais, dans ce cas-là, bah j'utiliserai ça sur eux hein, aussi. Hein. Et bah run de revue, je peux dire je l'embrouille. Casse la gueule, là je rigole. D'accord. Ah là là. En fait, je vais pas te mentir. Hardik fout rien. Non, voilà en ce moment. Sérieux? Bah, je t'ai bien dit aujourd'hui. Ouais, mais. C'est un PD ce mec. Tu l'as vu relancer le jeu, son dernier PD, il a 5 mois quand même. En fait, je suis respectueux, mais moi ce qui m'énerve en fait avec lui, c'est que le mec. A saisi une occasion d'être, comment ça s'appelle, d'être super modo, mais tellement sale. Le mec il fout rien, genre il fout un petit truc, genre à peine pour rapport à ça. Et le mec super modo et tout, yolo, on va bannir les mods. En même temps, mec, il a plus de mérite d'être modo que Shane Kills et THC, tu veux dire. Ah, ça par contre, je suis d'accord. Shane Kills et THC, ils ont pas dû lancer la version PC depuis 10 ans, tu sais. C'est pas fou. Surtout Shane Kills. Mais ça fait, lui, ça lui, fait au moins modo, mais... 2 ans qu'ils l'ont pas lancé, tu sais. C'est pas faux. Shane Kills, je vois même pas pourquoi il est super modo, c'est une farce. Hein. C'est Flandre qui devrait être super modo. Oui, bah c'est lui qui run encore le jeu, hein. Lui il a commencé à faire des temps hein, depuis laquelle nouvelle règle. Donc lui c'est celui qui est actif quoi. Oh là là. Oui, l'ancien light est passé. GG. Donc là les gars, c'est parti pour toute la suite de la run. Bon par contre j'ai perdu énormément de temps pour le début mais bon. Au moins j'aurai un temps, c'est cool. Yay. Yay. Putain mais j'adore ce bruit de Fluttershy. Je c'est fan. D'accord si tu veux. Non mais c'est juste parce qu'en fait ça rend trop bien avec le personnel d'équipe. Je serai le maître de gamin, personne ne peut me battre. Mais mec, tu t'es quand même mis 2 secondes, hein, 10 secondes, hein, c'est que ça craint, hein, c'est que ton temps est largement battable en fait. Ouais, enfin. Je vais pas mentir. Actuellement, mon seul adversaire c'est moi-même, alors bon, des fois je me pose des questions. J'avoue que ton seul ennemi c'est toi. C'est ça. Ça doit être dur quand même, hein. Bah, c'est dur d'être seul dans la vie, c'est sûr, hein. Je rigole, mais c'est vrai, mec, hein, c'est n'importe quoi, excuse-moi. Hein. La compétition sur Gamma. Elle est où? N'empêche mec, je vais pas te mentir, CCF c'est quand même bien fait enculé. Bah ouais, ouais écoute hein. Oh putain, mec, je joue avec une Mate Xbox One, j'ai jamais testé le Egg Hornet en One Cycle. Ah. Je vais sûrement le rater. Je vais sûrement le rater. Parce qu'en fait là je joue avec une Xbox One et j'adore la manette d'ailleurs, mais voilà. Ah du coup c'était vraiment... C'est quoi ta technique pour faire le One Cycle? C'est un placement de doigts. Et quand c'est quoi ton... Oui, je l'ai réussi! Montre-moi tes doigts. Non, mais je peux pas, là, je suis en run. Et je viens de le réussir, ouais. Cycle? Ouais. GG parce que... 28-0, hein. Bon, c'est un peu nul. Parce que Flandre l'a raté. Sérieux? Oh, oh putain! Allez, le maître de Tails, il revient. Non, pas du tout. En plus, ça y est, il va runner de Tails, il va avoir le record. Non, mais mec, c'est juste parce qu'en fait, j'ai pas de temps, je suis content. Je suis content parce qu'il y a à peu près tout qui est passé. Enfin, à part Sonic où je me suis chié pas mal de fois. Mais bon, là il y a Windy Valley. Et Windy Valley, je vous le rappelle, mesdames, messieurs, je me foire tout le temps. Et bah, tu clips la mur invisible, t'attends. Quand ça fait 5 secondes, tu vas au milieu et puis tu tournes. Et voilà. Non, mais c'est bon. Non, mais moi, mec, moi j'ai une autre route. Hein. J'ai pas ta route. Ouais, bah, fais ta route de PD. D'accord. Putain, je suis mort. Et je suis mort. Je suis mort, non. Putain, mais j'ai... Il est où mon chemin, là, le... Mon chemin, c'est envolé. Mon chemin, bon, c'est envolé. Ok, je vais arrêter de perdre trop de temps sur Windy Valley. C'est une catastrophe, Windy Valley. Moi, je... Ouais, enfin, maître Tel, mais maître Tel, c'est quand même plus à faire du Windy Valley. Je suis mauvais sur ce jeu. Je devrais arrêter. Lol. Lol. MDR. Mec, calme-toi, hein. J'ai raté 15 fois le Wallrun, et puis après, il est passé first try. Hein. Ouais, mais... Ouais, mais tu vois, ce jeu, je suis pas très bon. Lol. Ça, je veux pas entendre ça. Ça, c'est un mot de faible. Oui, je sais. Non, mais je suis bon sur ce jeu.
C'est juste que La preuve, t'as failli WR plus d'une fois sur Tails. Putain, mec, tellement. Tu te rappelles ce bien avant, quand c'était bien. Ouais. Il y a encore pas longtemps, quand N avait le World Record, non, il l'a plus, Sonic Jr l'a battu. Mais t'avais failli le battre. Hein. Sonic Jr, il a fait combien d'ailleurs? Il a fait 19-11 en IGT alors que N avait fait 19-19. Ah ouais, donc il a pas un temps non plus exceptionnel quoi. Non, il a réussi les deux tremplins, surtout ça qui lui a fait gagner du temps parce que N avait raté tous les tremplins. D'ailleurs, ça m'étonne, mec, hein. Nick Jr a réussi tous les tremplins, mais il a gagné que 8 secondes par rapport à la run de N. Parlez au niveau des tremplins, il a gagné que 8 secondes ouais. C'est louche. Alors, soit c'est louche c'est du côté de fait, N, a... soit c'est louche du côté de Nick Jr. Il a fait de la merde à Skylake, il l'a fait. Ouais, en fait, vous voulez, en gros, tu vas me dire que le world record est encore prenable. Oui, il est encore prenable, j'arrive à ça. Moi, j'ai pas de mentir, j'aimerais bien récupérer le WRT, hein. Puis il a pas fait la fast strat à... ouais. Avec Walker. J'ai pas le WRT, vous voulez que je le prenne, mais c'est impossible, je veux pas le reprendre. Non, bon, ouais, j'aimerais bien récupérer. MDR. Peut-être qu'il y aura plus de concurrence là-bas, quoi. Tu te sens tellement seul sur Gamma. Mais tu sais que je veux retourner sur Gamma. Tu sais que moi je veux retourner sur Gamma, t'es au courant? Donc t'auras bientôt une concurrence. Ah bah écoute. Okay, et puis bah, moi je suis chance. En train de booster ma run sur Poussin, je veux dire. Sur Poussin. Sur Gamma. Oh, dis donc, tu vois, j'ai une run quand même, ma gueule. Pousse là, je suis en train de pousser la run Poussin pour cent. Lève. Je poste la run Poussin pour cent. Non mais je suis en train de booster ma run. Bon, faudra qu'un modo la vlog, donc tu vas attendre une semaine parce que les autres modos c'était gros branleur, il va être une run une fois par semaine. Quand moi, tu sais que moi tous les jours je vais être une run. Eux, ça fait une semaine qu'ils ont pas validé une run. Hein. Bah oui, tu fais laisser le travail. Le dernier qui a validé une run, mec, c'était Argeek. C'était la run de Super Sonic. Hein. Tout le reste, c'est moi qui l'ai fait. Allô. Mais heureusement qu'ils t'ont surtout mis en modo en fait. Hein. T'es le seul qui est actif. Je me demande si tu vas être actif tout le temps. Enfin, non, mais de toute façon, je le savais. Je le savais que les mecs ils étaient pas actifs. Oui, il y a une époque, je me souviens, il y a une très bonne époque quand Flandre venait d'être modo et Argeek et tout ça. Tu postais une run un jour après, t'avais ta run validée. Maintenant c'est et fini. Puis, mais peut-être que ça va t'arriver la même chose, hein. Je sais pas, un ou deux mois après, t'as commencé à attendre une semaine pour valider chaque run, quoi. C'était cancer. Mais mec, peut-être que ça va t'arriver à toi. Ça va te commencer à te gaver de regarder des runs, peut-être. Hein. Mais bon, par contre, faut le dire, Flandre quand même. Par contre, lui, il bosse quand même, en vrai. Bon, même si maintenant il commence à plus trop valider les runs, mais Flandre bosse moins. Hein. Depuis un moment, il bosse moins. Hein. Oui, mais en même temps, comprends-le. Je veux dire, il est obligé de faire une pause. Non, mais je veux bien que tu bosses la journée et tout. Mais là, c'était le week-end, mec. On est le week-end, ils ont pas validé une seule run. Il y avait 7 runs ce matin. Oui, mais bon, Flandre, à la limite, lui, il run, hein, comparé à tout le monde. Bon, il y a aussi toi, hein. je te jette pas. Hein. Je te dis pas, t'es une merde, mais voilà. Non, mais voilà, ça m'énerve. Quoi. Je veux bien que les mecs bossent en semaine, y a pas de soucis, mais le week-end, ils ont que ça à foutre de prendre au moins 20 minutes pour regarder une run, hein, honnêtement. C'est vrai qu'en plus, il doit pas y avoir de tonnes de runs qui doivent être super longs. Il y en avait, ce matin, il y en avait 7, mais c'était des runs Gamma et tel, c'est pas hyper long. Bah ben voilà. Bon, là, y a du Sonic. Enfin, moi, je vais pas y mentir. Sonic, par contre, je comprends qu'ils aient pas envie de regarder parce que. Le mec il a fait une run de 52 minutes. Hein. MDR. Mais quand c'est un temps comme ça, t'as même pas envie de regarder la run parce que tu sais qu'avec un temps pareil, le mec a pas triché quoi. Ouais, pour ça. Non, bah, j'ai des mecs qui jouent avec la version Steam. J'ai stressé. De quoi? Y'a des mecs qui jouent avec la version Steam, je les félicite. Bah, normal. Courage, sans better FD. Bah, normal, maintenant y'a l'IGT. Ils peuvent maintenant avec l'IGT. Effectivement, ça marche bien d'ailleurs. Hein. Tu vois bien le truc qui s'arrête pendant les chargements, t'es en mode ah. Mais en fait, mec, la version Steam ça se repère dès que tu vois no save en fait. C'est écrit en bleu trop chelou, hyper gros. C'est ouais, je sais. Et t'as le menu pause. Le menu pause t'interpelle, tu vois. Aide et options, tu fais ah, ça c'est la version Steam. Oh, mais les mecs ils sont sur Steam, mais ils font fontaise en full autocam. Je comprends pas le délire. Hein. Mec qui t'aide sur Steam fait le début en free quoi. Enfin bref. Bon, par contre, ma run qui a pas de temps que le temps RTA c'est un temps IGT, c'est un peu moche quand même sur le truc. Mais bon. Mais pourquoi t'as pas changé? T'as pas en SkyShed, tu pourras changer, mec. Je peux le changer durant la run. Bah oui. Oui, mais bon, ils vont pas. Je veux dire, mais si par exemple j'envoie comme ça, je vais pas avoir de problème. Le temps RTA il sera bon, ça sera le temps de la vidéo, le temps de la run que je. Même. Non, tu sais quoi, même je peux même faire mieux, je peux mettre un autre timer. Je peux mettre mon timer Vegas Pro. Pendant le montage, donc voilà, c'est un temps RTA. Et bon, c'est vrai, faudrait que je modifie. Mais j'ai peur de tout casser en fait, donc je sais pas si je devrais toucher ou pas. Je me demande d'ailleurs si ça va être un world record.
Ah, tu es curieux de savoir si tu vas battre Flandre? Ouais, même s'il a pas mis sa run all upgrade sur spinon.com, si je le bats pas, je fais ah, no world record. Spinon.com, world record. Ah, et là il y a Flandre qui arrive. Il met sa run. C'est vrai que la world upgrade est assez cool. Bon, sinon, Poussin, ça va? Oui, ça va, Poussin. Ça va. Poussin. Patate pour la story ce soir. J'aimerais bien apprendre le one cycle. Mais franchement, on te l'a dit avec déjà avec Sora, c'est un placement de doigts, on peut pas t'aider. Je peux pas t'aider. Honnêtement, mec, le meilleur moyen d'apprendre le one cycle, tu vas en trial. Tu vas faire les boss de Tales, c'est le premier boss. Ouais, moi c'est ce que j'ai fait. T'as les vies infinies en trial de toute façon. T'as même pas rendu cheat, t'as vie infinie. Donc, tu t'entraînes à faire des cancel jump. Faut que tu spam A, X, A, X, A, X. Enfin, moi je fais comme ça. Après, tu peux faire A, B, A, B si tu préfères. Moi je vais faire A, X. Non, je sais, je suis d'accord, on spam. Et c'est pas ça le problème. Il faut pas que tu le fasses trop vite parce que tu le fais trop vite, il va s'envoler. Si tu le fais trop lent, tu vas donner des coups de queue tout simplement. Donc l'idée c'est que tu trouves le bon rythme pour que, avoir tout, faire correctement tes cancel jump. T'es content ou pas que maintenant quand les gens ils run il y a écrit World Record 9.56.92 par Poussin? Oui. De quoi? Moi j'aime bien voir Poussin qui a World Record Gamma, de toute façon il est mérité. Ah. Moi quand je vois, ouais. quand je vois Poussin premier, je me fais je pourrais aussi être premier mais je suis pas très bon. Et voilà. Et après t'as Poussin qui arrive en volant et qui me fait mais tu peux le faire, et je dis mais je rage, et après il me dit fais une pause alors. Ouais, je me mets imaginer Poussin, ça craint. Bon, il va pépérer, frère. Du coup, tu disais, ouais, tu disais oui, Sora, par rapport à quoi? À quoi? Non, je sais plus ce que je disais. Je disais que je voulais runner toi à 36, c'est tout. Ah bon? Mais il savait l'air hyper dur. Je le savais que t'étais un joueur Zelda. Je le savais. Tu mérites pas d'être un joueur Sonic. Non, mais tout la 36, c'est le premier Zelda que j'ai fini, et honnêtement, c'est mon Zelda préféré. Donc, honnêtement, ouais, j'aimerais bien le runner. Ouais. Mais ça a l'air hyper dur. Ah bah, les mecs font des trucs de fou. Genre au début tu te jettes dans le vide et t'appuies sur des touches à une certaine frame, ça te ramène à l'écran titre, sauf qu'à l'écran titre tu peux jouer et du coup tu te suicides et du coup tu skips tout le prologue avec ça. Sans deal deuxième try d'ailleurs. Hein? Sans deal deuxième try. Ah t'as eu le glitch? Non putain, et je me merde sur le surf, bordel putain de caillou. Ah, ah oui, d'ailleurs Nick Jur s'est raté aussi sur le surf avec Tails, c'est vrai que t'as perdu du temps. Ouais, ah bah elle a dû perdre masse. Non mais quand tu te fail sur Sand Hill avec Tails, tu chiales parce que tu perds un maximum de temps. Hein. Sand Hill c'est quand tu fais une erreur, tu la sens bien. C'est comme quand tu perds une vie sur Infogrames comme Jour du Grenier a dit. Bah moi je suis capable à appeler des gens et à faire j'ai perdu du temps sur Sand Hill. Ok, je fume un peu, oui. Surtout que c'est une run avec Magnetic Box One et j'ai vraiment du mal. En fait, alors j'ai rattrapé la fin, mais vraiment, mais j'ai. Je... Ça reste un sans deal catastrophique. Il a pas pibi apparemment, il a 5 secondes de retard. J'ai pas compris parce qu'il avait 11 secondes d'avance, il y a que 5 retards sur NT2. Donc je me dis qu'il a eu l'early shot, peut-être. Je sais pas. Il a fait combien en IGT? 10-47. IGT. 10-43 RTR. Donc du coup, il recommence une run. Donc RIP, ouais. En fait, il est top 2 gamma. Non, putain, il aurait dû me battre. Je pense qu'il a dû avoir l'early shot. Hein. Bah, il a fait 10-1, lui. Il a fait 10-1, lol, ouais, bah, il m'a battu. Il est top 2. Lui, allez, c'est un concurrent solide, go. Par contre. Lui, mec, c'est un concurrent hyper solide. Hein. Non. Si, mec, il est à 5 secondes du WR. Hein. Non, je dis clairement non, mec. Hein. Secondes, mec, ouais, il a 5 secondes, ok. Sache que moi je peux être à 10 secondes, alors c'est pas un problème. Tu peux, mais actuellement sur spam.com, tu l'es pas. Mec. Actuellement, si mes runs n'apparaissent pas, c'est pour la simple raison, c'est que. T'es mauvais. Ce jeu de merde me troll.
Ouais, mais c'est pour ça que ça DX c'est bien à petite dose, il faut pas y jouer, faut pas tryhard dessus, parce que si tu tryhard mec tu t'écoutes du jeu. C'est ça, c'est vrai en plus. En fait, le problème avec Dexter, ça peut être un concurrent direct, mais je le connais, il veut pas le WR en fait. Ah ouais? Mec, Mephito, hein, à l'époque où tu tryhardais pour l'avoir, il voulait l'avoir aussi. Il me l'a avoué, hein. Il m'a dit cache, je veux le WR. Mais après il a dit qu'il a laissé tomber parce qu'il s'est rendu compte qu'il pourrait pas l'avoir. C'est triste. Parce qu'il le savait. Ouais, parce qu'il le savait déjà. Et là il a le WR, Knuckles, easy. Bah oui. De toute façon, moi mec, je vois un Xur qui me bat mec sur Gamma. Je peux te jurer que mec, tu me vois le lendemain sur Gamma. Hein. Tu vois mec, la minute sur Gamma pour le défendre. Bah, tu te rappelles quand je t'avais battu? Tu te rappelles quand je t'avais battu? Ouais. D'ailleurs, je me souviens plus que je me l'a pété quoi. Ton WR. Ton top 3 a duré combien de jours? Il aurait duré 5 jours, je crois. Non, il n'y a pas de WR, son top 3 aurait duré 5 jours, je crois, non? Ou 10 jours. Je me rappelle plus. De quoi, ton WR? Ah, il a duré pendant un bon temps. Non, ton top 3. Ah, il a pas duré longtemps. 5 à 10 jours, je crois. C'est vrai qu'il a pas trop duré longtemps, mais tu vois, au moins je suis content parce que je sais qu'une fois dans ma vie, j'ai eu un petit trophée dans Sonic Adventure DX. Bon, un trophée merdique, mais j'ai eu un petit trophée. Non, ça n'existe plus, casse-toi. Ah, d'accord, ok. Je rigole, mais il peut facilement top 3 là. Top 2 même. Enfin, plus top 3, mais. Ah, merci, en tout cas. Bah, vu que Nixur a fait 10-1, ça va être difficile d'avoir le top 2, honnêtement. Faut se lever de bonheur pour faire ça. Moi là dans ma run j'avais eu l'early shot, ça fait combien de temps l'early shot? 13 secondes c'est ça? Ouais. Ouais donc si je l'avais eu j'aurais pas battu Nick Jarry, j'aurais fait 10-15 si je l'avais eu. T'es sérieux? Mais pourquoi t'arrives pas à te battre? En fait pourquoi t'arrives pas à faire un... Je comprends pas mec. De quoi? Ouais en même temps je comprends pas comment tu arrives, ah tu peux pas... Pourtant t'as un bon niveau mais je vois pas pourquoi en fait tu n'arrives pas à avoir un bon... Mais temps IGT hein. Je ferais jamais ça mec. Après, je vais pas mentir, sur ta run en IGT, t'avais fait 10-15, ton maximum. Et attention, ça... Ou en IGT, t'avais fait 10-15. Sur mon ancienne run, je sais plus comment j'avais fait en IGT, mais j'avais pas fait 10-15. T'as fait 10-15 ou 10-5? Non, j'ai fait plus que ça, mec. T'es fou. Ah non, t'as raison, j'ai fait 10-14. 10-14. What the fuck, avec le mod, j'avais un meilleur IGT. What? Non mais y'a bah, pas de logique. Oh bah mec, tu fais pas de mentir, moi avec le mode j'avais un meilleur IGT, j'étais à 9,48. J'essaie de comprendre, ouais mais tu me diras j'ai perdu du temps parce que j'ai eu une deuxième try en fait, donc ça perd une chier de temps ça aussi. Puis après y'a CCF, CCF ça joue quand même. Tu perds combien de temps ça, avec CCF? Tu perds pas de temps. Si tu perds du temps, ça, non. Quand t'as pas CCF tu perds du temps, mec. Par logique. Non. Bah si. T'es pas obligé de perdre du temps si tu fais tout en auto. Ah putain, 15 secondes que Bobby Chaos. Réponse sérieuse, quand tu ne changes pas tes habitudes que tu fais au shelter en free cam, combien de temps tu perds sans CCF? Tu perds allez, une seconde, même pas. Ouais. Tu perds 0,5 secondes si tu spam bien, quoi. Une seconde, je pense, ce que je perds. Pas vraiment une seconde, j'ai plus pas avec 0,5 quelque chose comme ça. Ce qui m'étonne, en fait, c'est que je me sois pas rapproché plus de mon IGT quand du fait que j'ai eu le droit de faire try, après dans mon temps, je l'avais raté une fois, quoi. Ma run elle devait bien être solide quand même. Bah, mec, ouais. 103... Dans ma run, E103 avait sauté 3 fois, mec. Hein. E103 avait sauté 3 fois. J'ai eu le wallrun deuxième try et malgré tout, j'ai un meilleur IGT que là où aucun robot n'a sauté et j'ai eu le wallrun first try. What the lol. Fuck. Lol. Y'a pas un petit souci quand même. Bon, j'avais l'early shot, mais l'early shot ça fait pas gagner 20 secondes pour arrêter. J'avoue. Enfin bref. Fuck l'early shot. J'avoue. Je sais que la catégorie préférée de Flandre c'est Amy. Sérieux? Ouais. Bah, elle est pas mal la celle d'Aimee. Ah, en ouais, fait, mais moi c'est. En fait, il adore Aimee à cause de Chilter en fait, tout simplement. Ah, je suis d'accord! Hot Chilter avec Aimee est trop bien. Il trouve que c'est vachement technique, du coup, il aime bien le level. Bah, je suis comme lui. J'adore le niveau d'Aimee de Hot Chilter parce que, comme tu as dit, il est très technique. Et ça, c'est cool. Exam fait rire quand même, des fois. Pourquoi? Les Blue Boys avec ça! C'est marrant. Mais en fait, je sais pas ce qui se passe actuellement, mais les gens, j'ai l'impression qu'ils apprécient plus Exa en fait. De plus en plus Exa. Lol, non mais Exa il est tout le temps été sur les streamers, mec. Hein? Voilà, j'ai ma run gamma si tu veux l'avoir, mec. Je peux pas l'avoir, j'ai un coup de merde. Oui, mais n'empêche, attends, c'est une blague. Quand je vois N et tout, genre modo du Discord de Exa. C'est parce que ouais, quoi, c'est pas quoi. Y'a pas un peu de suçage?
Non, c'est N, c'est N et tout qui sont le modo de son Discord, quoi. Oui, c'est ce que je te dis. Parce qu'il est suisse. Non, c'est un peu, ça doit être l'inverse, non. Race Room. Putain, 1 minute 1 avec Knuckles, oh ça craint. Montagne RNG, c'est pas bon. Pourtant j'ai pas une bonne route et j'avais oublié cette. Sinon vous allez bien. Ah. C'est mieux si t'étais pas là, mais bon, on fait avec. D'accord, merci connard. Putain, mais t'es en retard toi. Oui. Non, mais avec Rifrax, on est... il est encore pire. Oui, jeune de merde là, putain, ça m'énerve. Je déconne. Bon, alors, 10-24-06. Ah oui, j'ai refait un temps de merde quoi, 0-06. C'était quasiment à 10-23, j'avais speedé. Je l'ai retimé, ça ferait un 10-23. La flemme de retimer, honnêtement. Yay! Ah non, mais merde! Mais non, mais après, je vais pas mentir. Hein. En fait, ça, pour moi, je vais te dire honnête, Nixon n'est pas vraiment un concurrent pour ma part, je pense. Pas vraiment, en fait. Bah, pour Gamma, pas trop. Hein. Bah, en fait, il est bon sur Gamma, c'est pas ça le problème. Mais je vais pas te le cacher, il a pas ma patience sur Gamma, c'est ça le problème. Ça aurait été un concurrent, en fait, ça aurait été un concurrent. Mec, avec Sonic, il est balèze, hein. Avec Sonic, il est balèze. Hein. Oui, avec Sonic, il est balèze. Avec Gamma, il est balèze, mais pas assez. Mais pas assez. Il est balèze, mais pas assez. Voilà. Non, mais c'est vrai, je vais pas te mentir. Parce que Sonic, c'est sa catégorie qu'il préfère, mais qui dit que Gamma, c'est sa catégorie préférée. Merde, Daron. Ah bah. Ouais, t'as quoi? En fait, quand t'es modo, t'as raté, ça fait deux fois que tu fais une connerie. Quand tu es mobile, tu mets une run, automatiquement t'as la case, vérifie automatiquement la run qui est cochée en fait. Lol. Sauf que j'ai pas fait exprès, du coup ça a validé ma run. Lol. Bon, ah bah bravo. Du coup je me suis auto-dévérifié, tu peux faire ça aussi. Lol. Tu rigoles, mais tu sais que t'as des modos qui font ça, hein, qui mais se vérifient même leur run. Oui, mais moi je suis pas fan de ce concept, je trouve que ça fait vraiment prétentieux. Bah quand t'es tout seul, tu vas pas te dire, bon, quelqu'un peut me dire. Bah moi je connais une personne qui fait ça. Adventure DX, mec, y a personne qui fait ça. Je n'ai jamais vu un seul modo checker sa propre run. Oh, en tout cas, dans catégorie extension, dans Sonic Adventure DX, là par contre, y a du monde. Hein, oui. Pour valider leur propre run. Ils checkent leur run même sans pression. Vaut mieux que tu désignes ta nulle parce que, mec, il va y avoir des screenshots qui vont passer, tu vois. Eh, mais peut-être que Flandre. Mais peut-être que Flandre, il veut, dans catégorie extension, il veut pas valider sa run. Peut-être qu'il attend que quelqu'un la valide. Peut-être qu'il y est pas parce que personne l'a validé. Ça devrait déjà être fait. Parce qu'il y a une extension, ils sont rapides pour valider. Monkey, il est tout le temps là pour valider. Il avait des marines sur Sonic comme Star Mode. Ah, alors j'ai un petit problème avec mon. Avec mon truc. Comment ça se fait que. J'ai mon Lightspeed qui est. Je crois que j'ai cassé un truc sur mon Lightspeed. J'aimerais bien voir tes emplacements de doigts, moi. Oui, mais attends que je finis ma run, s'il te plaît. Oui. Sinon. Mec, pour ma part, je pense que Nixir c'est pas vraiment une menace quoi. Oui, c'est pas une menace non plus sur Sonic. Hein. Parce que bientôt je vais faire une nouvelle run, mec, où je vais faire un 9,50 IJT, je peux te jurer que. Mais pourquoi c'est pas une menace sur IJT, Sonic. Faut se lever très très parce tôt. Parce que hein. J'ai regardé sa run, j'ai vu. C'est battable. Ah, sur un. Se faire un 9,50 IJT, faut se lever super tôt, mec. Hein. Sachant que j'en suis capable. Hein. Avec un 10-01 pour moi, ça me semble improbable. Bah déjà quand tu m'as dit ton speed sur Hot Shelter, mec, j'ai bugué. J'ai dit oui. Ah j'ai fait 9.36 ouais. Non, ton speed Hot Shelter, la durée. Ah en oui. Game time. En game time. Ah non, c'est pas en game time. En game time, oui oui, c'est 9. Non, en reste, quand j'ai fait la race contre toi, j'avais fait à 9.36. Et donc en game time, ouais, j'étais à 9.36 aussi. Mais la vache. Non, pas 9.36, Speed of Shelter il dure pas aussi longtemps, il dure 4. Ah non, 4.36, excuse-moi. Voilà, 4.36, moi j'ai fait 4.49 et pourtant le wallrun est passé first try et j'ai eu le temps de changer de caméra au début du truc, hein. What the fuck. Je comprends pas comment tu gagnes autant de temps sur Hot Shelter, mec. Hein. Tu veux savoir mon secret? Non, mais tu regarderas ma run et tu me diras où j'ai perdu du temps. Ouais. Parce qu'honnêtement. Bah, je vais aller la voir maintenant. Elle est sur YouTube ou pas? Elle est sur YouTube, ouais, mais je croyais que t'avais pas de connexion. Bah, on va se forcer avec une queue de merde, c'est pas grave. On va essayer de faire ça en 160p. Lel. Vas-y, on va voir Sora. Ouais, je te l'envoie. Attention, il est mauvais. Bon, par contre, les chargements, ils vont être longs. Merci. Alors, déjà, le MP, il met du temps. Voilà.
C'est... Est-ce que j'ai gagné ou pas? Attends. Putain, merde. C'est la run où t'es premier, ouais. C'est celle-là où j'ai pébis, celle où t'es premier. Moi, j'étais... Ah, parce que je pensais que j'avais forfait sur celle-là. Non, t'as pas forfait. C'est celle où t'as gagné, celle-là. Bah allez, on va analyser ta run. On essaie... je vais bien bugger. Ouais, tu as 111 viewers abonnés. Ouah, c'est synchro, hein. Allez, go pour Big. On va voir. Déjà, on va strike cette vidéo. Non, je rigole. je rigole. Allez, go Big. Les gens, je suis avec le meilleur personnage du monde, Big. Lol. Arrête, c'est le meilleur personnage. Encore une autre année. Je vais être honnête, Rifak, je le vois pas. Tu veux que je te dise un truc? J'étais pas là, je ne vois pas Rifak sub 10. Hein. Clairement pas. Parce que il a... Allô? Mmh. Oui, non, je sais pas, j'ai l'impression que ça coupe. Ouais, je sais pas, non, il a arrêté de parler d'un coup. J'arrive. Ok. Putain, ça me fait du bien de faire un petit run salix. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ça me fait bien, je suis content de faire ma petite run salix. Ça me fait du bien. Ah, ça te fait plaisir de faire une run child? Ça va. Sans t'énerver? Bah en vrai c'est surtout parce que j'ai passé le plus dur en fait. Mais c'est cool. Ah oui, non, mais une fois que t'as passé le plus dur, t'es tranquille. Moi quand j'avais Wildrun First Strike tout à l'heure, j'étais tranquille, j'étais là, nice. Merde! Il avait vu mon hameçon! Ah, oh, je suis deg. Poisson! Poisson! Allez, t'es marrant ce passage. Poisson! Bah, tu l'entendras pas le poisson. Désolé. Ok, c'est bon, le parc c'est fait. Bon, Maron est un peu merdique hein, quand même. Hein. Côté Knuckles, elle est merdique. Hein. Ah ouais? Ouais. Yay. Si Flandre il a eu un Knuckle parfait, Maron Knuckles elle est merdique. Hein. Franchement, c'est la pire. Yo, Mako. Du coup, t'as pas de PC, Mako? T'es sur la part de ta soeur sans PC? Merde, c'est vrai que je dois bouger! Yay. Putain, je suis trop con. Non, je suis sur mon tel en 4G. Ah ouais, on notait. Donc t'es dans ton grand appart en coloc là où vous êtes 6, c'est ça? Bon, 2 à l'étranger? Sérieux? C'est ça, il est dans une maison hyper grande où ils sont 6 en coloc. Putain, dont 2 qui sont pas là. Ça doit être bien. Mais surtout que c'est une grande maison apparemment. Mec, tu vas être bien quand t'auras ton PC, tu pourras jouer à ça 2 et faire des Knuckles Centurion, t'auras tout que ça à foutre toute l'année. MDR. Et t'es court, tu seras là en mode avec ton toit d'honneur dans 2 ans, on bat les couilles. Hein? Non, et après il sera à son collège, il dira oh, je m'en bats les couilles des cours, hein. Moi je suis du Knuckles. Moi, tu sais que... franchement, tu sais que moi je voulais trop avoir un PC portable, mais en cours, c'est trop bien. Comme ça, t'imagines en plein milieu du cours, tu te fais un petit Sonic, une petite raide. C'était ce qu'on faisait nous au BTS. Putain, mais c'est trop bien. C'est quand en cours d'informatique, je jouais à Sonic All Star Racing Transformed, que le prof interrogeait tout le monde un par un pour poser des questions. Que moi, quand c'était mon tour, je le regardais tout en continuant de jouer et que j'ai répondu au truc de manière bizarre. Et il m'a dit, ouais, c'est bon, je te mets 14. J'étais content. Qu'un mec à côté de moi qui était hyper concentré, qui avait répondu au taquet, il s'était pris un 13. Il m'avait insulté, mais normal, mec. Putain, mais ça, c'est trop marrant. L'autre il joue, il répond au pif et il a 14. Et moi, je le réponds sérieusement, j'ai 13. What the fuck, j'étais mort de rien. Bah, je pense qu'il devait y avoir des préférés dans la classe, à mon avis. C'est trop marrant ça. Moi non plus, Mako, je sais pas exactement à quelle heure je commence lundi. C'est à 8h45. Comment ça toi lundi? What? Bah oui, j'aurais cours là aux États-Unis. Dans le même DA. Quoi? Oui. Attends, quoi? Tu travailles aux États-Unis? Quoi? Y'a un truc que y a un truc que j'ai pas dit. Aux États-Unis, je vais suivre des cours d'anglais, donc j'aurai école le matin. Ah, de 8h45 à midi, donc ça va tranquille les horaires. Putain, j'avoue, c'est cool. Putain, nice. Ah, donc tu vas vraiment faire des cours d'anglais? Oui. Putain. Ah, donc aux États-Unis ils font là-bas pour apprendre des mecs parler anglais. Fait,
En fait, tu peux faire ce qu'on appelle un séjour linguistique, tu vois. Tu vas dans le pays de ton choix et Oui. tu peux à la fois être en. Et du coup, t'es en école aussi. Tu peux apprendre la langue que tu veux. Il y en a qui vont aux États-Unis pour apprendre le japonais, Oui. hein. Il y en a qui vont en Thaïlande pour apprendre je sais pas Ah, quelle mais alors langue. faudrait que je le fasse, hein. Bah, c'est bien, mais ça coûte cher par contre. Ouais, alors, ouais. Après, ça dépend quel pays tu vas aussi. Oui. Ça dépend. En fait, ça dépend quelle formule tu prends, parce qu'en fait, t'as plusieurs choix d'hébergement. T'as le choix famille d'accueil, t'as le choix résidence étudiante ou appartement. Bon, j'ai pris appartement, comme ça, t'es tranquille, t'es tout seul, personne qui te fait chier. Normal. Mais famille d'accueil, c'est beaucoup beaucoup moins cher parce que tu payes pas les repas. Et voilà quoi, tout ce que tu as payé, c'est la chambre entre guillemets. C'est vrai. Donc, la famille d'accueil, c'est le meilleur moyen de progresser en anglais en fait, parce que tu parles sans arrêt avec eux. Mais bon, moi j'ai envie d'avoir mon indépendance, tu vois, d'être tranquille pour faire mes runs de SADE. Imagine les mecs qui se couchent à 22h, toi t'as envie de streamer, de jouer à Sonic jusqu'à minuit, tu fais comment? Bah tu peux pas. Bah t'es dans la merde. C'est non, tu vas te coucher, y'a un couvre-feu. Non, c'est bon. J'y vais pour un mois, autant avoir mon appart et que je sois tranquille, tu vois. Mais ce qu'il y a de bien en fait, c'est que quand. tu arrives et le gars c'est Dage. Ça serait marrant. Je sais plus ce que je veux dire du coup. Bah, que tu parlais là de. Ah oui, que tu préfères avoir ton propre appart et tout. Ouais, mais je voulais redire un truc, mais je sais plus ce que c'était. Bref. Ouais, voilà, bah là, genre là, par exemple, actuellement à Miami, il est 13h, tu vois. Donc Ouais. là, je serai en train de rentrer chez moi à cette heure-ci, et je pourrai vous rejoindre sur Discord. Au niveau des horaires, ça posera pas trop de soucis. Bon, tu seras beaucoup moins présent, mais. Ça va parce que j'ai 4G illimité là-bas et il y a de la wifi dans l'appart. Et je ferai des partages de co, je pense aussi, parce que j'ai le droit à 15 Go de partage de connexion. Et hors partage de co, j'ai 4G illimité. Tu vois, le Discord, Ça donc bon, va. je pourrais voir s'il y a un souci sur le Discord avec mon téléphone. Mais oui, peut-être que vocalement je serai un peu moins là que maintenant, sûrement. Bon, c'est pas. Ouais. Bon, Mais et je sais que nous, je serai toujours là on aux devra alentours. se régler, nous, on devra, Yarlik et moi, on devra régler les problèmes sur le Discord. Mais il faudra quand même que tu remettes une petite annonce quand même. Peut-être De quoi? carrément dans le dossier annonce de dire, vu que je serai moins présent, s'il y a des problèmes, Bah, je l'ai machin. dit en général, donc ça suffit. Je suis actif. Ouais, mais vraiment quand tu seras vraiment beaucoup moins là, quoi. Beaucoup moins présent. Merde, tu con. Bah, comme je t'ai dit, ça changera pas non plus énormément parce que je serai là aux heures de pointe. En général, vous êtes tous en vocal en soirée, comme à cette heure-ci là. Et je serai là à ces heures-là. Ça devrait le faire. Oui, ça va. Non, c'est pas des manettes, Je déjà, vais c'est embarquer mon casque et tout, je vais embarquer mon PC portable et puis on jouera à SA2 tranquille. une À quand la bouffe IRL du coup? Bah, quand tu veux, Mako. Hein. Enfin, avant, si possible, avant vendredi prochain, parce que vendredi prochain je me casse. Donc, si possible, ouais, avant vendredi 29, ça Et serait cool. Sora espère de pas te voir. Ouais. Non, en vrai, Poussin, il a dit qu'il venait cette semaine si tu venais, Quaker. Il est chaud Mais je patate, peux il a dit. pas venir, mais Je vous. sais, Tu je lui sais, as je te suis. dit. Oui, je sais. Mais en Mais. gros, si Mako, Quaker et Yarlik et moi, on est au même endroit, il vient, il a dit. Bah ouais, mais moi le problème c'est que bah je l'ai déjà expliqué pourquoi. Hein. Moi j'ai déjà expliqué. Hein. Et c'est pour ça que c'est prévu que dès que j'ai ma voiture et ou de l'argent où je peux prendre le train, j'y vais. Ouais, je sais. Parce que Mais Blue, bon, Blue. on Et compte Blue, pas. honnêtement, vu que tu veux le voir, Mako, moi je le vois, je lui fous une claque. Après, on peut Non discuter. mais surtout que putain il vous dit ouais je serai là le week-end à Grenoble. Ah bah plus aucun Il doit accord. encore être là-bas, ce petit con en plus. Bah ouais mais j'ai l'impression qu'il vous a oublié. Mais je lui ai envoyé un HS et je lui ai dit noob. Ouais bah il n'y en avait rien à foutre. Enfin bref, il dit qu'il est là, qu'il espère nous voir, mais alors par contre après il fait aucun effort en termes de communication et autres. Et il a pas de numéro de téléphone de personne en plus. Ouais. On a pas pris le numéro de téléphone de Mako non plus, on est un peu des cons. Il faudrait qu'on le prenne. Comme ça, chaque matin, je me réveillerai, je verrai un noob go world record Knuckles, je serai en mode ah. Là. Je verrai un noob, j'ai world record meter herd, je serai là ah. Un peu de 102, heureusement que. Oh non, c'est vrai qu'il y a le glitch à la fin. Oh, j'ai peur de ranger, de pas garder. Oh là, c'est bon, j'ai une peur. J'ai peur.
Tu crois? Attends, on est même pas sûr. Si j'envoie un inconnu, tant pis. Hein. Écoute, essaye de taper au hasard un numéro et t'essaies d'envoyer un message. Tu vois si tu tombes sur Sora. Peut-être que tu tomberas sur nous. Hein. Qui sait? Yay. Le mec, tu fais, tu tapes World Record Sonic ou autre à quelqu'un. Eh, franchement, ça serait marrant de le faire. Ou pas. Bon, par contre, faut savoir si on a un 06 ou un 07. Voilà, c'est envoyé. Tu viens de dire si t'as reçu. Ah, mais tu parles pas à moi, je pensais. Oui, je parlais à ma femme. Tiens, mec. T'as, y aura le yeah pendant toute la run, c'est marrant. Franchement, là, je pense que je suis bon pour un World Record. Hein. Si je rate pas le glitch de 102, parce que j'ai raté le début avec son écran vert. Le début, c'est une catastrophe. Pourquoi tu mens, Mako? De quoi? Putain. Elle me dit j'ai rien reçu, puis deux secondes après, je reçois une réponse de garage et un canon. MDR. La meilleure RNG possible. Quoique, non, je crois que Nim m'avait expliqué que la meilleure RNG possible, c'est deux garages mob. Parce qu'une fois que t'as eu le garage, en faisant un reset, t'atterris directement en mob. En fait. Je crois qu'il y avait une histoire comme ça. Ou alors un garage, canon, mob. Non, je crois que c'est ça. Je crois que c'est un garage, un canon, un mob. Je sais pas si tu vas voir ça, mais. Yeah. 07, c'est un gamin ça. Volgamin, ah, j'ai mis sous l'océan. En split. Putain, mais je suis trop con. Mec, je suis trop con. Il y a un split, j'ai appelé avec Gamma pour avoir, tu sais, l'autre power-up sous l'eau. Je l'ai appelé sous l'océan. Je fume un peu, hein, moi. Et il y a des jours, vous devez vraiment me dire, mais putain, arrêtez quand même. Parce que franchement. Du coup, Mako, en avatar de contact, je vais te mettre le même que ce que t'as sur Discord, c'est bien. Toi, tu m'as mis quoi comme avatar? Rien du tout? Ouais, je t'ai rien mis. Oh. Mais je pourrais, en vrai. J'aime bien mettre les avatars, ça fait classe. Tu veux mon avatar ou pas? Bon, je te le passe après. J'avoue, comme ça, je pourrais prendre ton apparence après, quoi. Car. Oh, alors non, je vais pas te le donner, en fait. Tout d'un coup, bizarrement, j'ai plus envie. C'est bizarre, ouais, hein. C'est ça, garage, mob et canon, c'est bien ça. En fait, quand t'as le garage et que juste après t'as le canon, tu fais un reset et du coup t'as atterri juste à côté du mob. Donc c'est plus rapide, tu vas avoir deux garages plus le canon en fond. Parce que le garage, tu perds du temps parce que tu fais deux resets et sortir du garage, c'est chiant. Donc c'est plus rapide en fait. Allez, pitié gamma, je t'aime. Tu vois, j'ai envie de te faire des bébés. Ça passe pas. Oui. Oui. C'est pas vrai. De quoi? Oui. Le truc de gamma. Oui, le truc de gamma s'est passé du premier coup. C'était trop marrant d'ailleurs durant la run. Le gamin il a fait un truc bizarre, il est bloqué dans le ressort, puis il a pris. Enfin, bref, c'était trop marrant. Oh là là, je suis trop content, c'était le nouveau record! Combien t'as fait? Attends. Pour l'instant, je suis à 44 minutes 30, 36 avec Amy. Ah oui, t'as encore Amy à faire, ça va. Ouais, mais je pense que je suis en avance. Hein. Je pense que je vais avoir le world record de 2 minutes. Je vais te le dire. Mais Amy, je sais plus combien de temps ça prend quand même un peu de temps, hein. Faut que tu finisses votre shelter quand même. Je sais, mais rappelle-toi ce que Fanny l'a fait. Comme connerie. Ouais. Je vais te dire à combien. Ouais, mais en fait, non, je peux pas comparer, te dire à combien il était sur Amy parce qu'il a fait Gamma et tout le bordel après. En fait. Non, mais Amy. Mais non, ah oui, Amy, il l'a pas fait en dernier. Ouais, il a terminé par Gamma, il a fait dans l'ordre lui en fait. Il a fait Knuckles et Amy Big. Désolé de dire ça, c'est un peu con. Hein. Ah oui, mais c'est pour ça qu'il est allé loin avec Tel, c'est juste pour faire Amy quoi. Ce qui est très con d'ailleurs. Il a pas assez bien vu le jeu, je pense, à mon avis. Pas assez essayé de bien regarder la run. Je veux pas être méchant avec lui et dire que c'est qu'une grosse merde, hein. Non, j'ai pas du tout dit ça. Mais voilà, quoi. En plus, surtout que je vais gagner du temps parce que lui, il a fait toute l'histoire d'Aimé. En fait, Flandre, en vrai, il me bat, hein, sur Sonic. Sur le split au début, il me bat. Tu regardes le temps, je parie qu'il me bat. Bon, bah, nous verrons. Je peux te dire que lui, sur Aimé. Quand il était en... Oh non, je dois les manger. Ouais, bon, tant pis, je vais les manger. Tu vas manger après.
après. Mais c'est fou en fait, ma mère elle fait parfois à manger à 20h ou 21h, tu vois, je suis habitué alors à ces eaux-là. Et là, 19h10, c'est hyper rare qu'elle le fait, qu'elle fait à manger. Tant mieux parce qu'il y a une race dans une heure, mec. C'est vrai, oui, c'est vrai que pour ça je suis content. Par contre, ça me fait un peu chier parce que je suis en race. Enfin, je suis en run. Flandre, quand il était au mini-jeu d'Amy, il était à 44 minutes en RTR. Oui, je sais. Il avait pas fait Big Nigam. Ah putain, oui, je sais, ouais. Donc, tu l'as déglingué, hein. Je veux le déglinguer. Je crois qu'un gars a fait Red Mountain en premier. Ouais. Yay! Welcome to Twinkle Point. Et Flandre, comme ça, il va pouvoir voir la fin avec Amy, que ça marche. Je pense qu'il va être choqué de voir ma route. Il va voir, putain, lui il a vraiment tryhard et tout. Putain, lui c'est un bon, je vais peut-être le mettre moto. Lol. Genre, tu prends le power-up des égouts, tu save quit et le train est open. Je sais pas, mais. C'est pas possible en fait parce que, genre, j'ai remarqué qu'avec Big en fait, quand tu prends le power-up de la canne à pêche, si tu fais Alt F2, tu vas te retrouver à Station Square. Du coup, tu vas gagner une chier de temps parce que t'as pas à retraverser toute la jungle, pas remonter l'échelle, pas prendre le chariot, pas remonter dans le train. Enfin, tu vois, tu fais une... Allez, le jeu, donne-moi de la chance là, pourquoi j'ai que des Eggman? 1000, 1100. La run au lieu de Grade qui meurt sur le mini. Oh, je pète un câble. Oh, c'est bon, 2200. Ok, c'est bon. Pour le premier power up, c'est bon, c'est fait. Après, ça va être le dernier où ça va être plus compliqué. Et là, mec, tu vois, si j'aurais dû faire les 3000 points, je les aurais pas. Ah, quoique si, je les aurais en fait à la fin. Nope. Et oh, arrête de me dire nope. Non, mais 3000, c'est free. Oh. C'est free quand t'as le jeu qui tient un peu dessus. Mais bon, ce qui est bien, c'est que pendant que j'avais, tu vois, filmé, j'ai raté le mini-jeu 3000 points et j'ai trouvé un moyen de comment vite reprendre le truc. Ah ouais? Ouais, faut juste que tu quittes directement. Et au moins, c'est bien, comme ça, j'ai pu le tester, voir si ça marche. Non, franchement. Ah oui, cool. Game over, oui, tu sors et tu rentres, c'est plus rapide, je pense. Je me suis endormi quand? Bonsoir, Yarly. Ah ouais, ça doit, je crois que ça fait bien 2 heures que t'as dormi. Ouais, ça doit faire 2 heures que tu t'es endormi. Oh putain. Mais tu t'es endormi en plein milieu de la race en fait. Et du coup c'est triste. Oh chaud. Putain mec, ma run of the Great, elle est trop bien. Elle est trop bien réussie. Mais mec, attends, je te vois le Ricard. Est-ce qu'il y avait quelqu'un sur mon stream? Moi j'ai regardé un petit peu. Est-ce que t'étais là juste avant? Non. Bah, parce qu'en fait j'ai pibi de 0,5 secondes. Oui, j'ai vu ton screen de pibi annoncement. C'était bien marrant, mec. Au moins t'as pibi, tu peux poster ta run. Ah oui, c'est vrai, je peux la poster. Moi j'ai balancé la mienne. Oh là là, mec, je suis tellement content de ma run. Qu'est-ce qui s'était passé Non, je me suis trompé de vestiaire. Attends, parce que là c'est World Record Hologrec. Hein. Ah ok, bah bonne chance. Ah putain, yes quoi! Allez, on y retourne. Bon, bah en plus, ça tombe bien que t'arrêtes parce que du coup, la All Story est bientôt. Et mec, heureusement qu'il y a une All Upgrade parce que moi, la All Story. Quoi, la All Story? Bah, ça m'entraîne. Enfin, non, la All Upgrade en fait, elle m'entraîne un peu sur la All Story, hein. De reprendre un peu les. Putain, j'avais oublié que j'étais avec Tails. À part avec Sonic. C'est que moi, je me suis pas entraîné sur un seul perso. Et attendez, de quoi y a la All Stories là? Ah oui, à 20h. Oui, à 20h. Oui. Ça dépend. Ah, donc bientôt. Finalement, je vois pas. Et Mako, il vient pas, il mange chez sa soeur, il l'a dit. Ah, oui, moi j'étais pas là. Et il l'a dit par écrit en fait. Oui, mais. Voilà. Putain, tu devais être fatigué, Harley, surtout pour un week-end, je suis choqué. Du coup, soit mardi, soit jeudi, quoi. Ok. Voilà, normalement, je modifie le titre de stream aussi. Mais pas un autre jour, parce qu'après, je peux pas. Vendredi, après, je suis pas là. Donc... Bah, de toute façon, moi je peux que mardi. Donc... Et Mako m'a donné son numéro aussi, tu devrais le prendre aussi. Ouais. Envoyez-vous le par MP, hein, parce que il est déjà en stream. Hein. Oui, il l'a envoyé par MP, t'inquiète. Non, mais je repréviens, hein, je sais pas qui. Non, mais t'inquiète, on n'est pas con. Mako peut pas parler, il est en 4G. Enfin, il a son téléphone et un micro, mais bon, il préfère écrire. Ouais. Non mais en vrai ça me saoule, mec, de devoir refaire un PB sur Tails, hein. Noob. Oh, et c'est le ballon. J'ai déjà niqué des runs à 99 vies, mais jamais j'ai terminé une run et puis à la fin je me suis rendu compte. Mec, je suis redéfoncé les Sonic, c'est bon mec. Mec, je vais peut-être le finir en 52 ou 53 minutes. GG. Il avait fait combien
Je suis trop heureux. Par contre, ma partie Knuckles, elle est merdique. Mais sinon, la partie Gamma et la partie Sonic, elle est moyennement merdique quand même. Elle est un peu merdique. Knuckles, c'est la partie la plus merdique de ma run. Ah merde. Bon, ok, va peut-être falloir. Knuckles, c'est le pire. Ok, ok. Sur le one cycle là. Mais... Bientôt Mystic Ruin. Allez. C'est quand la fin de la run? Mystic Ruin. C'est bientôt. Mystic Ruin. Il est chaud là. Allez, on tombe. Allez, et le râteau. Et c'est un râteau. Ah, il est tout content, hein. Il a affolé parce que sa run est assez. Bah, c'est bien, hein. Et à part ça, avant-hier, c'était SADX, c'est de la merde, plus jamais j'y touche, blablabla. Non, hier, c'était. Non, c'était. J'ai dit ça, je crois, il y a 3 jours. Ou peut-être une semaine, en fait. Jours. Ah, mais ça t'est déjà arrivé là, ce que j'ai écrit? Oh, là, genre, 53 minutes en fait. Au lieu d'aller dans Mindy Valley, tu vas dans l'aventure? Oui, de me foirer dans le menu avec de Gamma, ça m'est déjà arrivé plein de fois. Mais mec, j'étais pas concentré, je disais de la merde et tout. Ok, ok, ok. Heureusement que je m'en suis rendu compte tôt, mec, sinon c'était mort. S'il te plaît, le jeu, s'il te plaît, donne-moi mes 3000 points, franchement, s'il te plaît. C'est la fin de la run. Non, je veux pas, non, demande pas d'egg match à 400 points. 1000 points. 1100. Non. Mais c'est quoi tous ces Eggman? Je l'ai raté. Le 3000 points, il va pas être atteint. Putain! Pas de chance. Ouais, il est pas atteint. Ah oh, nice. Putain, jeu de merde! Je te déteste le jeu par contre. Sur ce coup, je te déteste. What? Comment j'ai fait pour le faire en 18? Ah non, oui, ok. Non, c'est normal en fait, je crois. Oh putain! Allez, s'il te plaît, me casse pas la run sur ça. J'aimerais bien PB sur Taze là avant de faire la race. Tu sais, comme ça j'envoie les deux en même temps, ça va être trop bien. Mais sinon, tu. Oui! À la fin! Pile à la fin! Oui! Et la run elle s'arrête dès que j'ai le dernier pouvoir, ouais. On est d'accord? Ouais, dès que l'animation. Oula! Ok. Allez. GG! Oh, j'aurais pu faire un sub 53 minutes! Bon, 53 minutes pile, putain! Ah! Mais c'est bon, mec! Ouais, mais j'ai raté une fois le mini-jeu! T'as dit de merde! En IGT, j'ai fait 53 minutes 35 et 310 secondes. C'est bon, tu l'as enculé, il a fait 58 minutes. Et RTA, j'ai fait 53 minutes 53 minutes 30 secondes et 580 secondes. Et c'est un Warwicker! Wouh! Warwicker! Putain, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un Warwicker. Ah ouais, mais non, en fait. Yeah! Bon! On va rien dire sur ce que je viens de faire, ok? Ça serait pas important. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Non, j'en fous. Oui, chut, Charlie. Ah, clip! Ah non, mais parce qu'en fait, une première run. Tails, mec, première run comme ça, all upgrade. Première run avec l'Xbox One. Alors, j'étais pas habitué. That wasn't too bad. Voilà. C'était bad.